Patrier, des visas falsifiés, faux, des papiers de clando. Tu penses reste Kevlo et blessé dans mon ego. Expatrié du coin de part. À l'heure où trop de putes jouent la carte de l'assimilation. Si ou là le même schéma, le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises face à mon ego. Expatrié du coin de part. À l'heure où trop de putes jouent la carte de l'assimilation. Si ou là le même schéma, le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises face à mon ego. Des vols archi-complexes, fraîche, artère, UTA. Des bagages à maman, bourrés de colis pour les mamans. Arrivée température locale, 37 degrés net. Un léger vent sec, souffle le soleil, frappe fort. Des vêtements trempés, le corps mouillé à l'aéroport. Changement de décor ici, des militaires armés. Une photo du président collé aux casquettes des douaniers. En veste kaki, au regard apparemment froid. Mais tranquille avec toi quand tu lances chez la DCF. Après, état des primes sous une chaleur maritime. Torpeur unanime pour un putain de régime. La famille m'attend, quand les grands-parents je me tiens droit. J'écrase quand on me demande est-ce que les études ça va. Les compliments défilent, qu'est-ce que vous avez parlé de bréchant. Qu'est-ce que c'est ça, mais ces manières de petit blanc. Des baskets en cuir, un jean alors qu'il crève le chaud négro. Atterri où tu veux pas au Togo, redescends sur terre. Ou partant dans un 4 étoiles, plein de parisiennes à poil. En train de faire de la planche à voile, conscient que le phénomène est inverse. Là-bas c'est pas les ressortissants français qui manifestent chez nous tout de même. Avec l'adjectif franco, un putain de terme en trop qui me blesse droit dans mon ego. Un putain de terme en trop qui me blesse droit dans mon ego. L'expatrié du coin de bord. À l'heure où trop de putes joue la carte de l'assimilation. Si ou là le même schéma, le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises face à mon ego. L'expatrié du coin de bord. 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 Le cul entre deux chaises, un permis de conduire aux frontières. Ici une carte d'identité française périmée. Mon bonnet, mes titres crépus et secs annulent sa validité, c'est certain. Après tout, je m'en fous. Là où je suis bec, c'est que le contexte actuel est dans lequel j'évolue comme cul. Un statut paria ici, d'intrus encore zoo-bled. Une culture dissoute et corrompue de A à Z. Beaucoup sont dans le cas, mais ne le revendiquent pas trop. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. L'expatrié du coin de part. À l'heure où trop de putes joue la carte de l'assimilation. Si ou là le même schéma, le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises face à mon écho. L'expatrié du coin de part. 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 Ceux qui rentrent au bled cet été savent de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent on nous parle de l'immigration, mais on oublie de nous dire que l'immigration c'est un pur produit des politiques néocoloniales menées depuis 40 ans dans ce pays. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aurait pas d'immigration si, ils arrêtaient de piller éhontément les richesses, le gaz en Algérie, le pétrole au Mali qui viennent de découvrir, l'uranium, tout. Ici tout est pris, tout est organisé pour nous piller de nos richesses. Pour qu'il y ait des exils, tu vois ce que je veux dire? Et ça, ce débat-là, il est interdit en France. Et nous, on le dit depuis 96. C'est ça, en France. Ok, on va rester dans la même veine. Un petit a cappella. Écoute ça, mon frère. J'ai 365 cicatrices. Et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles, et ces cons comme ces nègres cupides qui ont vendu les leurs dans les pleurs et les cris, étouffés par l'être espiègle, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition. Et à leurs 150 ans, ils peuvent se foutre dans le fion. Étaient fiers, enrôlés tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Qui on appelle pour les excréments, les travailleurs déracinés, les sans femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent, en y repensant. J'ai de la peine pour ces noirs teints en blond pour faire blanc. S'ils savaient, pour être libre, il fallait courir, sans se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits. Non pas à vie, mais pour des générations. J'ai mon avis sur la suite des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce qu'on sait? J'ai pas une choix de vivre comme un Français. Un Français est là-bas. Une bonne époque qu'on exporte en Outre-mer. Dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que
sont dans le coupleur du calme. Et si la parole de plus la finira dans un point de sang. Parole de descendant coupleur de calme. Et si la parole de plus la finira dans un point de sang. Parole de descendant coupleur de calme en direct de Toulon avec vous ce soir. Multireligieux, multiculturel, et c'est pas notre force. On va terminer comme on est revenu. Hein. Allez, qui se étend encore, bordel là sur ce morceau. Ok, Toulon. Moulin. Les cons dépisent dans leur frotte. Les disques m'évoquent la fuite en vrac. Les nerfs au contact des flammes comme des cailloux de crack. Repliés sur nous-mêmes, quitte à trouver seul des solutions à nos problèmes. Qu'attendons-nous du système? À part des euros, de loin la pire des que gros. Tout porte à croire que les Tchékas ont toute la France contre eux. Rien n'avance, ça repart en queue. Qui ça étonne encore? Qui ça étonne encore? Développement durable, très bon, élevé dans les ronces, que ces salamas qui n'ont pas les réponses, porte à croire que les Tchékas ont toute la force contre eux, bien avant que ça reparte en queue. Et ça étonne encore Toulon, qui veut nous foutre dehors, tout porte à croire que les Tchékas ont toute la force contre eux, bien avant que ça reparte en queue.